le bateau perd vraiment de sa manœuvrabilité. Parce qu'il y a énormément de fardage. Donc, dès qu'on est au ralenti, c'est beaucoup plus compliqué de manœuvrer. Donc, soit on cède avec les gaz, en mettant les gaz plus forts, soit on peut faire appel à une annexe du port ou mettre à l'eau l'annexe du bateau et puis mettre un marin du bord qui nous aide, qui nous pousse pour faire la manœuvre. Ou alors, dans le cas où on a un moteur en panne, l'annexe aussi peut prendre le relais pour amener le bateau à sa place de port. Vous êtes prêts à la manœuvre ? On est prêts. On est prêts. Allez, même précaution, on y va. On y va. C'est parti. Capitainerie de Bonifacio, capitainerie de Bonifacio. Sur le catamaran Wind, à vous. Oui, Bonifacio Marina, bonjour, on vous écoute. Oui, est-ce qu'on pourrait avoir une assistance annexe, s'il vous plaît, pour se mettre au port? Oui, aucun problème, je vous envoie quelqu'un tout de suite. Merci beaucoup. Amarre frappée. T'es monté, Patrick? Voilà, je viens chercher la pendille. Ah, cool. Sortir du port, on fait un amarrage en longside à la station service. On va amarrer sur bâbord. Alex, tu t'occupes de l'amarre arrière, Patrick à l'avant, et surtout les autres, vous n'oubliez pas de protéger la poupe et la proue avec les défenses. Ok, on amarre.